Ce sens de la pédagogie qu'il avait reçu de ses maîtres, il avait envie de le transmettre aussi à ses propres enfants. Maria Barbara lui avait donné 7 enfants, dont 4 seulement avaient survécu, une fille et 3 garçons. Rien ne lui donnait plus de joie que de pratiquer la musique avec eux le soir, quand il quittait les salons princiers et retrouvait sa petite famille autour de lui. Jouer ensemble, improviser autour d'un thème, corriger les exercices de l'un ou de l'autre, et même composer en ayant un enfant sur les genoux, tout cela était partie intégrante de son bonheur. Le plus doué était peut-être Friedman, qui allait tranquillement sur ses 10 ans. Pour le faire progresser et voir jusqu'où il pouvait aller dans l'étude et la virtuosité, il s'était attelé à un petit livre de clavier, une sorte de manuel pédagogique qui faisait travailler toutes les difficultés de l'instrument et poussait les enfants à se surpasser, tout en jouant d'agréables petites pièces.